était inscrit à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'évaluation de la mise en œuvre des instructions découlant de ces communications au Conseil de ministres. À quelques mois de la conclusion du programme du gouvernement 2021-2023, le président de la République s'est réjoui du niveau d'exécution qui a pu être enregistré en termes des réalisations, notamment celles découlant de ses instructions et recommandations données en Conseil de ministres, dont celles visant à améliorer les quotidiens des plus vulnérables. Au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement, dans la matérialisation de ces instructions, il demeure néanmoins de constater que certaines d'entre elles n'ont pas encore été totalement traduites en actes. Pour de besoins de redevabilité, d'efficacité et d'efficience dans la gestion axée sur le résultat, le président de la République a chargé le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement de faire l'inventaire de toutes les instructions émises à l'occasion de ces communications au Conseil des ministres et de poursuivre l'opérationnalisation du cadre de concertation mis en place lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique réunissant la primature, les CPVS ainsi que le secrétariat général du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la participation de notre pays à la conférence diplomatique des plénipotentiaires pour l'adoption de la Convention pour la coopération en matière d'enquête et de poursuite du crime des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux. Fidèle à sa tradition de remettre la République démocratique du Congo sur la scène internationale, et surtout de poursuivre avec détermination les efforts engagés en vue de lutter contre l'impunité dans notre pays. Le président de la République a fait le point au Conseil des ministres de la participation d'une commission interinstitutionnelle aux négociations de Ljubljana en Slovénie, préalable à l'adoption de cette convention prévue du 14 au 15 février 2024 à La Haye aux Pays-Bas. Cette convention, en appui à son engagement visant à obtenir que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, évitera, grâce au mécanisme qu'elle mettra en place, que ces criminels continuent à échapper aux poursuites en trouvant refuge en toute impunité sur les territoires des États voisins ou non. Dans la perspective de la signature en février 2024 de cette convention baptisée Convention de Ljubljana et de Haye, le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur les diligences à accomplir pour la finalisation du processus devant mener à notre engagement formel à cet instrument international conformément au projet adopté à la conférence diplomatique ci-dessus mentionnée. Pour ce faire, tenant compte de la période d'ouverture de la signature qui approche à grands pas, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été chargés sous l'autorité du Premier ministre de formaliser un cadre propice à la prise en charge et au suivi de ces processus. Ce cadre bénéficiera évidemment de l'assistance de l'équipe de nos plénipotentiaires qu'il faudra muer en task force. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la lutte contre les antivaleurs et la capitalisation des réformes dans les systèmes judiciaires. Dans le cadre de ses efforts pour l'édification d'un État de droit en République démocratique du Congo, le président de la République est revenu sur la nécessité de lutter contre les antivaleurs dans ces secteurs pour permettre une meilleure implémentation de réformes. Nous devons avoir des hommes et des femmes de foi et nous devons avoir des hommes et des femmes de loi nés de nouveau, des hommes et des femmes pétris de valeurs morales intraitables et des qualités intellectuelles éprouvées, a martelé le président de la République. Il a ensuite recommandé une formation continue et l'instauration de la sanction qui requiert un fonctionnement efficient de chambre des disciplines au sein du Conseil supérieur de la magistrature, un objectif primordial
à atteindre sans complaisance ni discrimination. Pour la mise en œuvre de ces recommandations, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers les ministères du budget et des finances, de tout mettre en œuvre pour permettre au Conseil supérieur de la magistrature non seulement de faire fonctionner les chambres des disciplines, mais aussi de couvrir tous les ressorts de la République des magistrats en nombre suffisant. Ceci participe aussi à la restauration de l'autorité de l'État. Dans le même sens, les processus de la création d'une élection générale des services de la justice devraient être soutenus et accélérés. Par ailleurs, le président de la République a rappelé au Conseil supérieur de la magistrature les assignations de son discours lors de l'ouverture de la session des formations des nouveaux magistrats et des mesures devant orienter son action. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la qualification de notre léopard national à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et de la politique nationale du sport. Revenant sur la qualification de nos vaillants léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en battant à Kinshasa le Soudan par un score de 2-0, le président de la République a salué à nouveau cette victoire qui a fait preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille pour arriver à ces résultats salués par toute la nation. Au-delà de cela, il demeure nécessaire que tout soit mis en œuvre par la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA pour que cette montée en puissance des Néléopards soit consolidée en vue d'obtenir davantage des résultats comme ceux-ci lors des confrontations prévues au cours de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le président de la République a instruit les ministres des Sports, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, avec l'appui des ministères sectoriels concernés, sur base des recommandations faites au cours des États généraux du sport, les grandes lignes de la nouvelle politique du sport dans notre pays. En outre, les présidents de la République entendent suivre avec une attention toute particulière l'évolution des préparatifs liés à la participation des Néléopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 à Abidjan. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil de sa participation ce vendredi 15 septembre 2023 aux séances solennelles d'ouverture des sessions parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Fidèle à sa tradition, il a officiellement procédé au dépôt du projet du budget de l'État pour l'exercice 2024 au bureau de la Chambre basse du Parlement pour répondre à cette exigence constitutionnelle. Ensuite, il a également informé le Conseil d'avoir lancé le 11 septembre 2023 à Kinshasa les assises de la Commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration INAP. Ces travaux, a-t-il rappelé, s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation des protocoles d'accord signés précédemment entre le gouvernement et l'intersyndicat de l'administration publique et sont également une occasion pour les deux partenaires d'échanger sur le progrès qu'il est possible d'effectuer ensemble tout en tenant compte de moyens mobilisables dans le cadre du projet de loi des finances 2024. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui dirige la délégation gouvernementale qui prend part à ces travaux et des résolutions qui en sortiront. Sur un autre volet, le premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la séance de travail qu'il a tenue le 13 septembre 2023 avec les experts du Fonds monétaire international dans le cadre de la préparation de la 5e revue du programme économique signée avec notre pays. À ces propos, le gouvernement de la République demeure sensible aux encouragements lui adressés par cette institution de Bretton Woods qui a salué les progrès réalisés depuis les débuts de la mise en exécution du programme précité, conformément aux souhaits du président de la République, chef de l'État. Tout en appréciant ces encouragements à leur juste valeur, le Premier ministre a demandé aux ministres concernés, principalement ceux faisant partie de la Commission économique et finances du gouvernement, de redoubler d'efforts pour lutter contre la dépréciation de notre monnaie nationale et pour contenir les prix sur le marché
des biens et services. Abordant le dernier point de son intervention, le Premier ministre chef du gouvernement a fait état de l'opérationnalisation et de la redynamisation de l'entité des liaisons de droits de l'homme, structure interinstitutionnelle comprenant les institutions, ministères, services publics et autres organisations dont la mission et les fonctionnements concourent à la promotion et à la protection des droits humains sous sa présidence et dont le ministère des droits humains assurera la présidence. La première réunion de cette entité devrait être convoquée le 5 octobre prochain. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information. État et administration du territoire. Au nom de son titulaire en mission, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure généralement calme sur l'ensemble du pays et au cours de la semaine qui se termine, il a été notamment marqué par la forte attente de l'issue du procès relatif aux événements malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, l'attente du déploiement de forces de la SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo en remplacement de forces de l'EAC, les réactions et commentaires suite au lancement de la gratuité de la maternité dans la ville de Kinshasa et des commentaires entendus sur la suspension temporaire du trafic de la compagnie aérienne nationale Congo Airways à travers le pays. Sur un autre volet, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de l'ouverture des travaux du dialogue intercommunautaire à Mambasa entre les communautés locales pygmées, Bombon, Guana, Bila et Lessé sous la facilitation des autorités militaires locales avec l'appui de Interpeace. Au sujet du banditisme et de la criminalité, il a rassuré de la poursuite de la mise en œuvre des mesures édictées à tous les niveaux afin d'y mettre fin dans les grandes villes et agglomérations urbaines. Pour ce faire, les moyens du gouvernement sont mobilisés en vue de renforcer les capacités des services habilités. C'est dans ce cadre que s'inscrit notamment l'arrivée à Kinshasa le 11 septembre 2023 d'équipements destinés à la police nationale congolaise. Le vice-ministre de l'Intérieur a terminé son rapport en faisant le point sur quelques cas de sinistres et catastrophes dans les provinces de Kwilu et du Sud-Ubangi, ainsi que la situation aux frontières. En complément au rapport du vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation marquée par la poursuite des opérations militaires dans l'est de la RDC, ainsi qu'aux différentes informations, notant l'évolution des opérations sur terrain, notamment les différents mouvements perçus de la coalition M23, RDF, ainsi que la persistance des attaques qu'il commet. À l'ouest du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a alerté le Conseil du fait que les phénomènes Mobondo, jadis localisés dans les provinces du Kwango, puis de Maindombe, Kinshasa, tend à s'exporter dans la province du Congo central. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité continuent l'attaque de ces assaillants. Organisation du Salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, représenté par les ministres de l'Agriculture, a informé le Conseil de l'organisation à Kinshasa du 27 au 28 octobre 2023, du Salon de l'innovation et de la transformation rurale de la SADC. Ces assises font suite de la demande de l'Agence de développement de l'Union africaine et le nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique. C'est l'une des recommandations clés de la déclaration de Kinshasa issue du 111e Forum africain du développement rural qui s'est tenu au mois de janvier 2022 sous le patronage du président de la République. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration et conformément à la politique de la SADC et du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'AUDA et NEPAD ont proposé à cette initiative afin de soutenir les efforts nationaux et régionaux en faveur de la transformation rurale. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a indiqué que la tenue de ces salons aidera à cristalliser la déclaration de Kinshasa sur la transformation rurale qui exhorte l'AUDA, NEPAD et ses partenaires
à mobiliser plus de ressources pour soutenir les efforts des États membres et développer et mettre en œuvre de programmes et de projets de développement rural. Il a précisé que les salons mettraient un accent particulier sur le développement rural durable, les chômages et les sous-emplois des jeunes et des femmes vivant dans les milieux ruraux et offrira aux 100 jeunes innovateurs d'Afrique australe une plateforme pour présenter leurs projets pionniers sur la sécurité alimentaire et les développements ruraux en vue d'assurer les partages de connaissances entre pays membres de la SADC. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Organisation du mois de l'entrepreneuriat à Kinshasa. Les ministres de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises a présenté au Conseil les projets d'organisation du mois de l'entrepreneuriat à Kinshasa en octobre 2023, en collaboration avec les structures qui lui sont rattachées, ainsi que le projet Transforme. Il a rappelé que la mise en œuvre du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, adopté par les gouvernements de la République en juin 2020, a posé les jalons de la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays et a enregistré de progrès considérables dans la matérialisation de la vision du président de la République, qui a décidé de faire de l'entrepreneuriat son fer de lance pour la promotion des classes moyennes et la création de la nouvelle classe des millionnaires congolais. Ces programmes, qui découlent d'une analyse en profondeur de l'écosystème entrepreneurial, s'articulent autour de trois C, à savoir capacité, crédit et contrat. Plusieurs activités sont donc prévues dans ces cadres. Le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises a souligné que cet agenda mettra en évidence les efforts fournis par le gouvernement en faveur de la promotion des micro, petites et moyennes entreprises et activités et favorisera la célébration de progrès enregistrés tout en plaçant un regard critique sur le chemin restant à parcourir. Les conseils ont aussi pris acte de cette note d'information. Organisation de la troisième semaine congolaise du tourisme. Le ministre de l'Emploi, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, représentant le ministre du Tourisme, a présenté au Conseil la note d'information liée à l'organisation de la semaine congolaise du tourisme projetée pour le 9 au 14 octobre prochain. Les thèmes choisis pour la célébration de cette année et la promotion des investissements verts dans les secteurs du tourisme. Ces thèmes, a insisté le ministre, tombent à point nommé pour notre pays, qui se positionne comme un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la restauration de la biodiversité avec ses patrimoines naturels, qui est les bassins du Congo, poumons écologiques de la planète. Les secteurs du tourisme congolais se veut donc être un acteur de la protection de la biodiversité à travers la promotion des investissements verts pour le développement du tourisme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 112e réunion tenue le 8 septembre 2023. Commencée à 17h27, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h45. Je vous remercie. Dans le Haut-Katanga va vibrer du 18 au 23 septembre au rythme de la 6e édition du Forum des ministres et des chefs de